Salut, salut. Et ben voilà, à bord de Génération Seigneurial, c'est le moral dans les chaussettes cet après-midi. On est jeudi. Hier, j'ai pas fait d'image. Il n'y avait pas trop le temps là, c'était un peu compliqué. Pas mal de choses à faire, des manœuvres, de la pluie, etc. Et puis aujourd'hui, y a le classement qui est tombé. Classement du jour là, de l'après-midi. Et tout le groupe qui est parti à l'ouest là, après la pointe bretonne, on s'est fait mettre un caramel par ceux qui ont continué vers le nord, vers les îles Scilly. Hein. Donc ça fait pas plaisir, j'ai 40 000 de retard là, les premiers vont arriver pas mal d'heures avant moi. Donc la solitaire est un peu pliée dès la première étape là. Parce que c'est la course court au temps là, du coup ça va faire du temps qui est difficile à compenser. Voilà, donc c'est un peu les boules quoi. À part ça, c'était deux bonnes journées, hein, bien actif. Les deux jours passés, dans des conditions pas faciles, très changeantes. C'était hyper instable. Mais voilà, faut essayer de trouver du positif. Là il fait beau. Il y a encore trois belles étapes à courir. Et puis on regardera pas le classement. Et puis il faudra juste se faire plaisir sur les étapes parce que le classement c'est un peu bâché. Et puis voilà, il y aura plein d'expériences à engranger pour la suite. Et puis on va faire un petit tour dehors. On approche du Fastnet. On voit pas encore. Là au vent, ce qui fait dans mon malheur, hein, qui est rassurant, c'est qu'il y a plein de têtes d'affiches et de favoris qui sont dans le même paquet que moi. Là au vent, il y a Anthony Marchand là, qui était un des grands favoris. Il y a Fabien devant là, pareil. Bon voilà, ça fait pas plaisir pour eux non plus, mais c'est rassurant de se dire que on n'est pas tout seul. Voilà, il y aura des jours meilleurs, ça fait partie du sport. Allez, à bientôt.